Cultiver des légumes sans produits chimiques et sans pesticides, c'est le pari relevé par ce maraîcher de la plaine orientale. Tous les engrais utilisés sont naturels, issus du compost. Ainsi, la nature opère elle-même un savant équilibre entre insectes utiles et nuisibles. Ici, on ne fait pas la guerre aux herbes folles, on respecte l'environnement. Il y a 8 ans, Jacques Barian y pratiquait une agriculture totalement opposée. Passer des cultures conventionnelles à une production biologique, c'est opérer une véritable conversion, aussi bien professionnelle que personnelle. C'est une évolution dans la vie, dans ce que la personne que j'étais, et la paternité aussi, d'avoir des enfants et tout. Ma femme, qui nous a poussés à passer en bio, et dans les cultures maraîchères, qui étaient à l'époque assez consommatrices de traitements, c'était plus compatible avec ma vision de l'agriculture. Produire en mode biologique, c'est choisir la diversification des cultures avec des variétés différentes pour chaque légume, comme ces choux de couleur vive. Ces variétés anciennes, oubliées du grand public, permettent d'expérimenter d'autres saveurs. Cultiver bio, c'est aussi accéder directement aux clients en créant des AMAP ou des paniers de légumes. Les intermédiaires sont de préférence écartés. Les circuits longs, nous les avons abandonnés ou mis longs parce qu'ils ne sont pas là pour développer une philosophie de production et de vie. Ils sont là pour développer une rentabilité immédiate, alors que nous avons une vision à plus long terme de notre activité. Nous ne sommes que de passage et nos enfants auront besoin d'une terre et d'idées nouvelles ou différentes du tout chimique. À quelques kilomètres de là, sur la commune de Bravonne, on retrouve une des premières exploitations en agrumes biologiques. Seule région productrice de clémentine, cédrat et pomelo, la Corse bénéficie d'une excellente notoriété dans ce domaine. De plus en plus de producteurs s'orientent vers le bio, y trouvant plusieurs avantages. Une meilleure valorisation de leurs produits, une meilleure reconnaissance aussi, parce que l'agriculture bio est en plein essor, la protection de l'environnement aussi, et puis surtout la volonté de donner à l'image de l'agriculture corse une image qualitative. À Bravonne, 37 arboriculteurs se sont regroupés pour exporter en Europe. Ils ont mutualisé leurs moyens pour conditionner chaque année 1200 tonnes de fruits, noisettes, amandes, kiwis et agrumes. Leur coopérative date des années 80. À ce moment-là, elle représentait le premier groupement bio de l'Hexagone, un concept novateur à cette période. Dans les années 88-89, ceux qui étaient en bio, enfin, qui étaient les précurseurs du bio, sont passés un peu, oui, pour des marginaux. C'était pas dans l'air du temps, c'était pas encore dans le... Donc c'était un peu trop tôt, peut-être, pour avoir son image de marque actuelle. En Corse, la filière bio rassemble un peu plus de 300 producteurs pour 10 000 hectares de culture. L'île est la 5e région au classement de ce type de production. Mais il reste encore des efforts à faire. En France, la demande des consommateurs bondit de 10% par an depuis 2011. Il y a des gens qui viennent sans arrêt ici visiter mon exploitation, voir un peu comment je travaille et voir si on peut pas développer avec d'autres agriculteurs les productions bio. Vous avez des grossistes des quatre coins de France, de Belgique, d'Angleterre qui viennent. Donc il y a vraiment une forte demande et aujourd'hui nous sommes en sous-production, on n'a pas assez de production à offrir. Aujourd'hui, les exploitants n'ont qu'un seul regret, le manque d'intérêt des pouvoirs publics. Le nouveau programme de développement rural de la Corse prévoit moins de financement pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer en bio. On ne peut pas continuer à polluer comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On a un territoire qui est magnifique, qui pourrait être bio sous son entièreté. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne sollicite pas assez, on n'aide pas assez la production bio ici en Corse. Pourtant, ce secteur ne connaît pas la crise. Les ventes des produits bio se chiffrent à 5 milliards d'euros sur le marché français. 100 000 emplois ont été créés. La Corse a tout à gagner en misant sur ce mode de production.